Hey, salut! On se retrouve pour l'épisode 9. Après une soirée hilarante avec le live de qui jouait à Dark Souls, justement. Donc, ouais. Il a eu un petit peu de mal avec. Avec le premier boss, il a passé 2 heures dessus. Pour au final abandonner. Et lui, il va se faire backstabber. Oh merde, y'a les chiens aussi. Voilà! Ils sont morts? Ouais, ils sont morts. Bizarre. Tout le monde est déjà mort. Ouais. Ouais, donc ça sert à ouvrir ou à fermer. Ça dépend de la situation. Ah, je risque de plusieurs fois éternuer, bon, ça va être chiant. À cause de mon allergie. Allez, venez. Viens là, toi! Dépêche-toi, allez. Ah, je crois qu'elle m'a vu. Pas qu'il me voyait à deux, par contre. Bon, au pire, je suis à côté d'un feu. Hein. Faut pas que ça rush en fait. Ouais, mais ils m'ont vu à deux. Ouais, c'est bon, ça va. Pas tellement d'ouvrier. Au niveau des dégâts physiques, enfin des absorptions de dégâts physiques, c'est pas trop ça. Oh là là, cette là. L'épisode du bouchage. Il va falloir que je pousse mon micro. Ça va faire des bruits ignobles. Tant pis. Là, est-ce que je peux passer? Bah. Il est où l'archer? Il est là. Il tire encore? Non, je sais pas. Oh. Des gens pendus. Des gens attachés au poteau. J'ai qu'un seul chemin pour l'instant. J'arrive pas à voir ce qu'il y a sur les côtés en fait. C'est un bruit bizarre qui me fait peur. Il n'y a pas l'air d'avoir des. Qu'il y a des guêpes. Petit bouclier en cuir qui serait pas intéressant pour moi. Je vais les détacher. Là, il y a un ennemi. Attends. Je peux voir quelqu'un assis. Donc en vrai, il n'y a personne. Là, je peux descendre. On va commencer par aller là-bas. Si le retour est possible. Ouais, il sera possible au niveau de la poutre. Ok. Elle est tombée.
va y aller doucement. Casser la table. Ouais, de toute façon, le retour, du coup, il est pas possible. Enfin, faut que je saute à l'escalier là. J'ai pas envie de me faire. Ouais, et on court après là. Petite merde, hein. On était sûr. C'est quoi ça? Comme type de bête? Je sais pas. On dirait le chevapeau de Harry Potter en un petit peu plus long. C'est une tête de gnome. Allez, dégage. Je fais plus partie de ce monde. Dégage. Dégage. Voilà. Comme ça là. Bien, ces cadavres. Il y en a plein de comme ça en fait. Ça fait gling gling quand on attaque. Donc ça va, on est prévenu. On est plutôt bien prévenu. Paquet de pain brûlé. Attends, que ça n'arrive pas vers moi. Que je regarde. Là, je crois qu'il faut d'abord que j'aille tuer ce qui marche. Je pense que c'est bon si je me mets par là. C'est où? C'est quoi ça? Ok. Des braises. Je peux voir, c'est les paquets de pain brûlé. Le petit bouclier en cuir, ouais, c'est nul. Et ça c'est cool. J'utiliserai pas tout de suite. Mais je trouve pas le paquet de pommes brûlées. C'est ça. C'est ça. Voir du feu. Ok, donc c'est un mec comme ça. Mais c'est qu'il y a du monde ensuite. Merde alors. Putain. On est dans la merde après. Yo. Là tu m'as vu, ça y est. Hein. Falloir que si je saute. Falloir que je saute de toute façon. J'ai l'impression. Poudre de réparation. C'est ça. Répare l'armure et les armes quittées. Ça c'est cool. Faudrait que je fasse tomber ça. Pour tout à l'heure. Là. Ah, ça c'est dommage par contre que j'ai plus de. Ça c'est dommage, hein. Là on aurait bien fait une petite attaque depuis. Depuis là. Il est où l'autre? Tu peux pas lui faire une attaque aérienne? Par hasard. Ah, il est là-bas. Après l'escalier, ok, un escalier là, et je n'avais pas vu, et là, c'était pourri mais ça marchait. Je connais pas encore trop leurs attaques. T'inquiète pas, vous venez.
C'est ignoble ici. C'est ignoble. J'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer. Donc là, on va arriver à, vers là où il y a des. Oula, il y a un petit bug graphique. Tout va bien. Là, je vais essayer de les appâter un par un, si possible. Et il est nul. On peut pas en locker un autre pire. Os de Loretta, bon on va voir ce que c'est d'abord. Merde attendez. Le truc des 60 FPS qui sert à rien. Et ça je pense. Os c'est moins perforant en plus. À Loretta, elle a pas de chance. Bon alors, dois-je arriver comme ça par derrière? Puis-je le faire en toute sécurité? Toute sécurité, c'est difficile à dire. Ça va, j'en ai attiré que deux là. Non, c'est bon. Ils se font massacrer, mais les autres s'en foutent complètement. Là, toi. Arrête de faire des pas sur le côté et viens. Viens. Viens là. J'ai dit de venir, tu viens? Non? C'est mal poli après. Hein. Pourquoi il sursaute à chaque fois? Eux ils vont peut-être pas attaquer. Ça veut dire qu'il en restera 3. Le gros, je sais pas. Si, si, ils vont attaquer en fait. Juste qu'il avait pas sa hache, il l'a mis dans son cul. Il m'en reste que deux après, il va falloir que je gère tout. Aïe, là c'est complètement foiré. Ouais, c'est pas grave. Là. Là aussi c'est foiré. Mais c'est pas grave. Continue. Hop. Oh, c'est vrai que c'est ma roulade qui fait foirer son truc. Là il y en a encore un qui prie là-bas. Non je suis sûr le gros il va m'attaquer aussi. Toi. Avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Ouais le gros il va attaquer hein. Oula! C'est un match ce truc. Oui, ça m'a perturbé. Salope.
zombies. Particulièrement puissante. À mon avis, ça me donne pas mal d'âme. Ça. Créer une arme. Fragment des. Ah, ça c'est parfait. Je vais avoir une nouvelle fiole. Âme de voyageur inconnu. Je vais plus les attirer par contre. Il va falloir que je fasse attention. Je vais aller là-bas. On va pas aller là-bas tout de suite. On apprend que ça marche. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, c'est toi qui marchais. Tenue d'ouvrier. Bon, en fait, c'est leur tenue à eux. C'est de la merde. De la braise. En tout cas, ça respire avec difficulté. Hein. Ok, on peut. C'est la première fois que je peux ouvrir une porte. Ça m'a surpris du coup. On va rentrer. Hein. Qu'on aime tout casser avec les roulades. Cassez-vous là, ça va vous cacher la visibilité. Ça... Ah putain, c'est quoi ça? Ah putain de merde. J'étais en train de me dire que un jour il y a un des cadavres qui va bouger, mais non, c'est une cage qui va bouger. Je leur fais plus confiance maintenant. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait vraiment. Ah, ça loot des choses. Quelqu'un là-bas. Impossible, ça m'arrange. Non, c'est bon. Je vais te attaquer ici. Ok, donc j'ai l'impression que celui-là, c'est en... ouais, c'en est un. On va le rush. Il a des yeux rouges, lui. C'est rien qui vaille. Yo. Oh putain. Les enfoirés. Attendez. Eh oh. Ils ont sauté tous ces bâtards. Aussi. Ah mais c'est nul. Ouais, c'est pas rapide par contre.
Elle pourrait être très puissante. Ouais. J'aime bien ces attaques là, mais un peu d'ennemis ça rafle tout. Le problème c'est que je suis trop lourd après. Dès que j'arrange ça. Ok, donc ils sont tombés de là ces bâtards. Donc aussi faire attention aux trous qu'il pourrait y avoir au plafond. Ah bah ça bouge. Là aussi. Y'a rien pour me sauter dessus là. Putain, ça continue jusque où cette merde? Je pense que ça va loin dans le niveau. C'est ça qui fait peur. C'était quoi? Ce bruit là. Une âme inconnue. Voilà là. Elle m'a vu, non? Ouais, putain, merde. On va d'abord explorer les autres possibilités de chemin. Putain, c'est gros là. Appétissant. Ah oui merde, toi tu m'aurais attaqué dans le dos, tel un vicieux. Aïe. Sorry. J'ai cru entendre. Tout va bien. Fragment de titanite, c'est cool. Là, je suis en train de mourir. Ne pas tomber. Surtout avec 5000 âmes, même si je sais que c'est pas tant que ça. Hein. Ok, donc ils sont tombés de là, les bâtards. Ça c'est fait, la prochaine fois j'irai les tuer avant. Donc moi je serai tranquille et on va visiter vite fait là-bas. Je pouvais passer sur la gauche, je sais, mais je préfère emprunter les chemins que je connais. Cassé! Ah non, je peux pas. Ah si, je peux. Ouais, je peux passer par là. Ah, je peux passer aussi dessous. J'imagine qu'avant d'aller là-bas, je vais aller là. Mais non, je suis con. C'était là. Là, c'est juste pour monter. Ouais. Donc c'est bon. Donc c'est ton tour, ça veut dire. C'est ton tour, viens là, viens par là. À mon tour. Watch it.
que je pourrais pas. Trop haut, celui-là il est trop haut. Ah non. Là ce qu'il me faudrait c'est un feu. J'ai pas entendu des... Espèce de petite... Des petites merdes là. Hein? Oui, il a fait pareil que moi. J'attaque plus vite que toi. C'est quoi ces bruits? J'aime pas. Ok, là ça fait le tour du bâtiment. Il y a un objet là-bas à récupérer. Ah ouais, c'est eux qui font du bruit. À ton tour. Grand âme. C'est bien ça. Mais t'as... Oh, t'as une épée maintenant toi. Elle est trop grande pour toi. Il est plus résistant aussi. Tu peux me la donner ton épée? Putain merde, elle peut s'ouvrir. Yo. Des corbeaux. Je vais casser aussi des bancs. Ok, viens là, celui qui m'attaque. Aïe! Attends, on va pas tomber non plus. Hein. On va faire le tour. J'ai pas encore trouvé d'objet en faisant ça. Peut-être que j'en trouverai un jour. Aïe! Ah putain, mais il est en haut ce bâtard. Comment je vais faire pour l'avoir? Ils sont chiants ici là. Ah putain, j'ai plus de couteau de lancer en fait. Viens là toi. On va finir toi. Ah putain. Ils sont partout. Regarde ça. Je sais pas ce qu'il m'a lancé là, mais c'est toujours sur moi. C'est un bâton de glace. Non, un bâton normal. Regarde-les. Putain. Je peux pas les atteindre en plus. Et j'ai pas de couteau de lancer. Monsieur. C'est prendre au piège tel un débutant. Bah alors? Ils s'entretuent? Il me reste une fiole d'estus. Avec précaution. Ah putain, ils ont des serbacanes ces bâtards. Ok, j'ai compris. Avec munitions infinies bien sûr. Aïe, dans mon cul.
mène à rien. Je vais utiliser ma dernière fiole cette fois. Ok. Je me suis fait attaquer. C'est pourri comme situation là. Je pense que je vais back. Puis j'ai plus de fiole. Garde des pieux qui. Aïe! Putain, ils sont immenses! On va back. Je vais pas monter là. Il est toujours là. Je peux pas leur lancer une flèche à ces petits cons. Je suis tranquille. Tant qu'ils me flèchent pas moi. Moi ils sont morts. Ah oui c'est bon. Putain je n'arrivais plus à me repérer. On va retourner au grand mur. Non, putain, on va retourner au grand mur. Oh putain. Au sanctuaire, faut aller. C'est bien, on est là. On s'en va. Ah, déjà on va améliorer les fioles d'estus. Ah, tis good, wasn't it? Maintenant, je dois en avoir 6. Ouais, parfait. Ah, waouh, il y a 300 dagues. Ah non, ça coûte 300 plutôt. Il y a une dague qui coûte 300. Il y a tout un truc en maille là. Cimetière. Ah, c'est ce qu'il avait, Lucien. Bon. Pas très. Très cool. Ah, c'est cool. Ashen One. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Very well, then. Ah, attends. Avant de m'améliorer là. Farewell, Ashen One. Oui, ta gueule. J'ai des âmes à utiliser, moi. Quoi? Exception, exceptionnel.
sert à quoi? 2000 âmes. C'est pas mal. J'ai plus d'âmes normalement là. Welcome home, speak that. Very well, then touch the pig, Nari. Faudrait que je vois. Parce que j'aimerais bien. Faut que j'aille me renseigner, je pense. J'aimerais bien changer d'arme et passer à la. Et ça là, avec le commun, 19. On va bien passer à ça. Franchement, ce serait. C'est l'idéal, ça balaye tout le monde comme ça. Après, le seul problème, c'est ça. Pas d'attaque sautée par là-bas. Ça doit être pas mal en termes de puissance. Ça utilise la même endurance en vrai. À peu près. Ah ouais, c'est magique ça. Ça c'est cool. Ouais, faut vraiment que je me renseigne sur combien de points je dois investir pour ne plus faire de roulades de ce genre. Pour que je sois assez rapide. Parce que là. C'est la vigueur, je crois, qui fait augmenter la charge équipée. Je pourrais mettre 2 points. Ça veut dire que je serai à 57 au lieu de 55. Mais. Non, de toute façon, on peut le voir là. Ratio poids. Je suis à 71. J'ai mon téléphone, il est là. On va voir ça, on va le faire en live vite fait. 55 divisé par 39,3. Et un 39. Je fais 39,3 divisé par 55. Ça fait 0,71. Ouais, c'est ça. Et avec mon épée, je suis à 63. Donc si je prends le bec de copain et que j'augmente ma vigueur, je serai à... Attends, 57, ok. Je serai à 57. Et si on fait 39,3 divisé par 57, ça ferait 68. Ratio poids, je serai à 68. Je sais pas, faut que je regarde. Aide. Explication. Ouais, je regarderai hors. Ah! Attribut. Bien que cette dernière soit également tributaire de la charge d'équipement maximale ainsi que la résistance au poison. Je sais pas si je les investis là-dedans. C'est quoi au pire? Welcome, speak. Very well, then top hagen. On va les investir. Allez. 8
Ilan, ça fait mal. Farewell, Ashen. C'est bon, on est bien. C'est parfait, j'ai une nouvelle arme. Est-ce que je peux m'équiper? De ma nouvelle armure en même temps. Ça pas encore. Je préfère d'abord m'équiper Je préfère d'abord m'équiper de mon arme après on verra. On va renforcer l'arme. Celle qui m'est équipée. De 126, on passe à 138. Elle est à 503, elle passera à 184. Oh, voilà. Et si j'imprègne l'arme. Elle est à 163 l'autre. C'est quoi c'est? En fait elle est moins bien l'autre. Ah non. Elle passera à 179 si je revisite. Avec une gemme brute en plus, donc c'est ce que j'ai. Donc là, elle sera mieux. Elle sera mieux. Ouais, 169, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir, un tout petit peu mieux. Et donc là pour l'instant je suis à 138 plus 21 sur ça et l'autre je suis à 163. Donc en termes de dégâts je serais quand même je suis quand même supérieur pour l'autre. On va voir vite fait. Et ils sont vivants cette fois-ci. Merde. De toute façon, j'ai plus d'âme et tout. Il me semble que je fais moins de dégâts. Ça va vite se vérifier de toute façon. Après il faudrait 2000 âmes, donc 2000 âmes c'est assez rapide à avoir. Ouais. Je pense que j'ai fait une petite phase de farm. Hors enregistrement bien sûr, ça va pas être très cool sinon pour vous. Donc bon, sur tout le prochain épisode, une fois que j'ai mes âmes. Oula. Salut.